allé à l'école du caméléon. C'est un très grand professeur. Et si vous l'observez, vous verrez qu'est-ce que le caméléon. D'abord, quand il prend une direction, il ne détourne jamais sa tête. Donc, ayez un objectif précis dans votre vie et que rien ne vous détourne de cet objectif. Et qu'est-ce qu'il fait le caméléon? Il ne tourne pas la tête, mais c'est l'œil qu'il tourne. Il regarde en haut, regarde en bas. Ça veut dire, informez-vous, ne croyez pas que vous êtes le seul existant de la terre. Et le caméléon, quand il arrive dans un endroit, il prend la couleur du lieu, ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est d'abord la tolérance, et puis le savoir-vivre. C'est heurter les uns des autres, n'arrange rien. Jamais on n'a rien construit dans la bagarre. La bagarre détruit. Il faudrait toujours chercher à comprendre notre prochain. Si nous existons, il faut admettre que lui aussi, il existe. Et qu'est-ce qu'il fait le caméléon? Quand il lève le pied, il balance. Il faut savoir que si les deux pieds posés ne s'enfoncent pas, c'est après qu'il va déposer les deux autres. Ça s'appelle de la prudence dans la marche. Et sa queue, c'est préhensible. Il l'accroche, il ne se déplace pas comme ça, il l'accroche. Pour que si le devant s'enfonce, qu'il reste suspendu. Ça s'appelle assurer ses arrières. Nettoyez. Ne soyez pas imprudent. Allez doucement dans tout ce que vous faites. Si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patient. Soyez bon. Soyez vivable. Soyez humain.